Et salut tout le monde, c'est Raziel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'épisode 4 de notre Let's Play sur Horizon Dawn. Et cette fois-ci, on va continuer les quêtes secondaires si je trouve ma manette que j'ai perdue. Bon, je l'ai retrouvée, c'est génial, c'est la folie. Ah, les aléas de la VOLD. Du coup, on est parti. La dernière fois, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait tué pas mal de... On avait farmé pas mal de robots animaux. Je sais pas comment je vais les appeler. Des créatures faites de métal. Bref, on en avait tué pas mal et on avait récupéré pas mal de matériaux. On avait surtout fini la quête de Grata et on allait aller rendre la quête d'Anara, Amara, enfin, je me souviens plus du nom de la petite. Anala, un truc du genre. Et puis voilà, on avait sauvé la petite de Veilleur. Et on avait été récupérer la lance de sa maman. Donc voilà. On avait quand même pas mal avancé. Et puis je pense qu'on ira faire la quête principale. Je suppose que vous attendez ça avec impatience. Du coup on est parti. Oh. Quand même les graphismes de ce jeu. À couper le souffle. Bon. On ramasse toujours les petites plantes sur le chemin. J'en aurais sûrement besoin. Ouais, comme je le disais. Là. En tout cas, ça fait du bien, mais vraiment du bien de jouer à un jeu pareil. Ça fait longtemps que je me suis pas senti aussi libre de faire ce que je veux sur un jeu. Là, par contre, ça a l'air loin. Je peux pas faire un voyage rapide. Si, je peux faire un voyage rapide. Voilà, faire un petit voyage rapide pour la VOD parce que ce sera plus simple. Parce que sinon je pompe du temps. Et puis c'est plus sympathique pour vous aussi de voir l'avancement que de me voir ramasser des plantes un peu partout. Loué soit la toute mère, à l'œil est revenu avec la lance. D'abord tu as retrouvé Arana et maintenant ah, Arana. Tu apportes la lance. Pour moi. Quand je t'ai appelé à l'aide, je n'étais même pas sûr que tu acceptes de me répondre. Merci de l'avoir fait. De rien, Toc. Oui, merci. Je suis tellement heureuse de retrouver ma lance. Elle est d'une qualité prodigieuse. Ta mère savait fabriquer des lances. Je n'égalerai jamais son savoir-faire, mais elle m'a appris quelques techniques. Ça me ferait plaisir d'améliorer la tienne. Merci. Ta mère devait être quelqu'un de bien. Je suis triste pour toi. Tu sais, grâce à toi, j'ai encore sa lance pour me souvenir d'elle. T'étais pas obligé de nous aider, pourtant tu l'as fait. Ma mère t'aurait admiré. Merci, Aloy. Merci pour tout. De rien. De rien, de rien, de rien. Ah ! Prout ! Des peu plantes. Donc on m'a amélioré ma lance. C'est symbolique, un petit plus 1 de dégâts. Donc, dans les quêtes, où en sommes-nous? Quête en cours, la pointe de lance, retrouver Rost, non, ça c'est la quête principale. Dans les tâches, qu'est-ce qu'on a? Annexe, les oubliés, on avait dit qu'on allait aller la faire. On peut faire un petit voyage rapide ou... Non, ça sert à rien. Par contre, je peux débloquer une compétence, mais... je vais attendre d'arriver à 2 points de compétence pour prendre ceci. Ça m'a l'air bien stylé. Bien stylé. Donc voilà. Quand vous étiez pas là, j'ai crafté pas mal de potions, soit en artisanat, pour vous présenter un peu tout ça. Donc dans les pièges, j'ai crafté toutes sortes de pièges. Pièges à détonation explosif, pièges explosifs, enfin bref. Et... des potions, j'ai crafté celle-ci, même si j'aurais pu crafter celle-là, mais c'est pas grave, je me suis fail. Et tout plein de potions comme ça qui me protègent électricité, gel et tout ça. Donc, voilà. Par contre, dans le carnet, ce que je voulais savoir, c'était aussi le catalogue de machines. Donc, je voulais voir les charognards. Les charognards avec la batterie tapant d'électricité et déchirure. Ah non, c'est électricité et déchirure, c'est leur faiblesse. Donc, la déchirure, parfait. La déchirure, j'en ai pas mal. L'électricité, ça va être pas mal avec mon lance-câble. Ah là là, tout se combine.
Tout se crée, rien ne se perd. Wow. Tellement de poésie. Je récupère toutes les petites plantes parce que si vous voyez la barre verte en dessous de ma vie, c'est ce qui me permet de me régénérer en combat ou hors combat ma vie. Et il faut la faire augmenter en ramassant des plantes par-ci par-là. Les cannes, c'est surtout pour faire des flèches et pour améliorer les sacs. Encore des cannes. Une petite plante. Non, ça c'est une pierre. Ou alors je suis full en plantes, ce qui m'étonnerait vachement. Là, je vois des charognards. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais passer donc des lance-caps, je n'en ai plus parce que j'avais plus de flambée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser des pièges électriques, genre un ici. Un ici. Et je vais faire à peau. Je scanne les ennemis, bien sûr. On se régène. Et de une. Petit fail, à chaque fois que je commence une vidéo, il faut que je me fail. Ouais, en espérant qu'il y ait eu un checkpoint. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave les amis. Non, ça c'est retrouver Rust, sauf que je ne voulais pas retrouver Rust. Je voulais faire ça avant. Puff. J'ai l'impression de toujours ramasser les mêmes plantes, c'est incroyable. Petite sauvegarde manuelle. Pas manuelle, rapide. Bien sûr, les charognards, on va se les faire. Hein. C'est juste moi qui me suis fail. Surtout qu'il n'y en avait que un. Donc, on va ramasser les plantes que j'avais ramassées précédemment. Je vais garder ça pour la route. Ah. C'est quand même reposant. Hein. Une nature pareille. Si vous voyez le mouvement des. C'est splendide, le mouvement des feuillages. Les techniques de furtivité dans ce jeu sont juste magnifiques. Ça peut servir. Ok. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre.
On va poser un piège ici. On va à Pau. Dans un premier temps. On va tirer le premier. Non, mais j'ai dit un, pas deux. Ah bon, c'est pas grave. Bon bah tout compte fait. Bon bah tout compte fait. Compte fait, ça passe aussi comme ça. Hein. Par contre, je regrette un peu mon petit piège qui ne sert absolument à rien. Parce qu'il ne se l'est pas pris. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai eu des flambées. Ici, il n'y a rien du tout. Ça, c'est la cascade. Ok. Bon, bah, c'est parti, les amis. Hein. Les racines. Les racines. Par contre, je vais un petit peu chasser des animaux. Pas les peaux de renard pour les viandes osseuses et tout le patata. Que ça permet de crafter des potions. Ça m'aidera. Mais c'est pas un lapin ça? Lol, j'ai confondu un lapin avec un tronc d'arbre. Franchement, il y aurait un système de report dans le jeu. Franchement, je me report direct. Je pue la moule. C'est pas possible. Des cannes. Tac. On va monter. Je pense que c'est plus. Je pense que c'est plus vers le haut. T'es quoi toi? T'es quoi toi? Ah, un raton laveur. Ok. Ça m'écorche. Bon bah ok, c'est par là. Donc, toi, bonjour. Bonjour. On se met un petit peu en fufu parce que j'ai vu des veilleurs. Que j'ai pas envie de me faire repérer tout de suite. Et que je vais essayer de chercher des fourrés. On a trouvé. Le campement de Brom. Occupons-nous de ces veilleurs. Le hapo marche vraiment très très bien. Ouah ! Les bugs de jeu. Je
J'ai même pas regardé si on avait un troisième. Ok, ça me paraît peu quand même. Hein. On va tout prendre. Du sang, mais pas de cadavre. Il faut que je tire ça au clair. Récemment éteint. Je vois pas ce que je pourrais examiner. Ah, ok, d'accord. En appuyant sur triangle. Cette trace de sang s'éloigne du campement. On va suivre les traces, hein. On va voir où ça va nous mener. Ce couteau. Examiner. Quelqu'un aurait attaqué Brom avec. D'autres traces de sang. Elles mènent vers un autre endroit. Je vous laisse profiter un petit peu de la musique parce que waouh. Là, un seau. Oh, un seau. On aurait apporté le sang au campement. Genre c'était la découverte du siècle. Les traces de sang s'arrêtent là. Ouais, mais elle continue, t'inquiète. Il va sûrement y avoir des empreintes de pas. J'hallucine. Quand je regarde le jeu, je le trouve tellement magnifique, quoi. C'est insane. Des plantes. Oui. Toi, qu'est-ce que tu... spécial mec hein. Je sais pas ce que t'as voulu tenter mais je sais pas, tu t'es raté en tout cas. Je dois me préparer. Je suis pas trop un débutant là, j'ai eu le temps de m'habituer aux touches, merci. Je suis une guerrière surentraînée. Bien stylé ce jeu quand même. Oh, de la guimauve, waouh. J'ai découvert un feu de camp. À chaque fois je suis là, il est où le feu? Viens ici toi. Voilà, voilà, voilà. Des cannes, des plantes, Encore des plantes, j'en ai vu une là. Oui! Où est le feu de camp? Ah, il est tout droit devant, ok. Bonjour! Entre parenthèses, est-ce que je peux crafter
Non, c'est pas là. C'est dans piège et potion. Potion. Non, là. Oui, je peux crafter ça. Oui. Bim. Voilà. Potion de régénération totale, c'est parfait. Petite sauvegarde rapide. Histoire de pas refaire tout ce qu'on vient de faire. Donc les traces, allez jusque là. Okay. On continue la route du coup. Hein. On continue la quête. C'est bizarre. On profite du paysage. Le sang du campement, ce serait celui du sanglier. Si Brom a fait ça, oh, c'est qu'il veut faire. J'avais raison. C'est du sang de sanglier. Mais pourquoi avoir profané le sanctuaire? Waouh. Waouh. Qu'est-ce qu'elle fabrique, sa chère Regarde? Je me suis fait un peu repérer trop tôt. Et une de plus. Je me concentre un petit peu parce qu'il y en a quand même pas mal. C'est prêt. Elle veut pas le venir où je suis. Prévu. Et tiens. En fait non. Non. C'était pas prévu. Bon, ça a marché, donc c'est cool. Enfin, j'avais placé le piège dans le but que quelqu'un s'en prenne un, sauf que je m'attendais pas à ce qu'il se le prenne tout de suite. C'était un veilleur, on dirait. Celui que je piste ne lui a laissé aucune chance. Bon, par contre, je vais prendre toutes les bluettes qui se sont envolées bien loin. Voilà. Du coup, j'ai récupéré 16 bluettes. Du coup, ça va me permettre de refabriquer des... non, pas des pièges électriques. Des munitions, lance-câbles. Oui. Et oui. Donc voilà, parfait. C'est génial, cette arme. Donc, examiner. Si c'est Brom, il maîtrise le maniement de la lance. Du coup, on est parti pour où, là? Du coup, afficher piste.
Je sens qu'il va y avoir pas mal de robots sur la route. On sait jamais. Je vais pas appeler ça des robots, je vais appeler ça comment ? Machine, voilà. C'est plus simple, j'allais dire machine, mais... Je préfère l'appellation du jeu. Il est monté ? C'est ça, il est monté ? Ouais. Voilà. Cette réserve a été pillée. Mais... Voilà. Brom a été un paria pendant des années. Pourquoi voler tout ça aujourd'hui ? Ah, il avait sûrement un but. Par contre, là, c'est débile ce que j'ai fait. J'ai perdu de la vie bêtement. C'est ce qu'il y avait dans la réserve. Bon, bah, moi, pourquoi l'avoir tout pillé pour tout jeter ensuite ? Parce que c'est peut-être pas lui, Cocotte. Ce n'est peut-être pas lui. Ou alors c'est lui, mais il va pas bien. Je vais le faire. Je vais me tuer. Je me tuerai avant de lui faire du mal. Brom. Calme-toi. Je vais me tuer. Je me tuerai avant de lui faire du mal. T'es pas un esprit. Faire du mal à qui ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu t'éloignes du bord, Brom. Non ! Laisse-moi tranquille. Tu vois pas qu'il me faut du temps pour réfléchir ? Comment veux-tu que je réfléchisse ? Ça va aller, mec. Si tout le monde me crie dessus en même temps. T'entends des voix ? Je sais que c'est difficile, mais je peux t'aider. Toutes ces voix qui te parlent sans arrêt. Ça doit être épuisant. Je te promets que la mienne sera douce et apaisante. Une voix douce ? Comme celle de Lara ? Ouais, c'est ça. Oh, ça fait si longtemps. Des années. Ouais. Ouais, je vais t'écouter. C'est bien. C'est mieux. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse ? Les esprits des oubliés. Des âmes maudites par la toute-mère. Leur voix me laisse jamais en paix. Elles me disent de faire des choses, de faire du mal si je retourne dans la tribu. Mais je crois que t'es schizo, elles en fait. Elles me diront de faire du mal à Olara. Alors, je préfère me tuer plutôt que laisser ça arriver. Non, ça va aller. Tu es obligé d'écouter les esprits, Brom ? Ils sont en train de me parler en ce moment. Ils sont toujours là. Ils prennent soin de moi. Ils me tiennent compagnie. Ils m'aident. Sauf quand ils crient. Comme quand le chasseur m'a poussé. Brise-lui le crâne avec une pierre, ils ont dit. Et je l'ai fait. Brom, tu es vivant. Béni soit la toute-mère. Pardon de t'avoir suivi. Je voulais être certaine qu'il allait bien. Oh non. Non, ma sœur, je peux pas te protéger. Ça tu va n'as aller. Pas besoin de me protéger, Brom. Comment tu peux en être sûr ? Les voix qu'il entend réclament du sang, même le tien. Mais il ne ferait pas de mal à sa propre sœur. J'ai commencé à m'occuper de lui à 6 ans. Je veux pas te faire de mal, mais les oublier, leurs murmures, ma tête est pleine de leurs cris. C'est pas les oublier, hein. Brom n'est pas prêt à revenir dans la tribu, mais je ne crois pas qu'il te fera du mal. Je connais un endroit où camper, une grotte dans la montagne de la Toute-Mer. Et tu pourras toujours venir me rendre visite, tant que je reste fort. Tu le resteras, Brom. Je t'aiderai. C'est bien. Merci, Aloy. Tout est bien qui finit bien, du coup. Je vais m'occuper de Brom. Que la mémoire éternelle de la Toute-Mère t'accompagne. Et puisse les oublier et te laisser en paix. Oui, madame. Elle est jolie, Aloy, quand même. Faut dire ce qu'il y a. Eh, ça va, pleure pas, hein. Pleure pas, gamine. Inventaire. Donc voilà, on a eu une petite boîte. On a révélé son contenu. Prendre. On va pas prendre parce que... Là, je viens de... regarder un petit truc. Piège et potion. Donc ça, c'est les potions. Ça, c'est les pièges. Piège à détonation. Et dans la...
Et dans l'inventaire de la boîte à trésors, c'est un piège explosif. Ouais, donc du coup, ça m'arrange pas. Piège à détonation. Ah, mais si, c'est bon en fait. Boîte à trésors. Mais non, c'est un piège explosif. Je suis con. Donc c'est ça. Ouais. Ouais. 1000 XP. 1000 XP. 1000 XP. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je regarde et je pense qu'on va commencer la quête principale, soit la pointe de la lance. Et du coup, les amis, on va y aller tout doucement. On va voir si on peut pas se taper plus près. J'ai pas débloqué le feu de camp là comme un débile. Non, j'ai fait le débile. Non! Ok. Ça c'est les attaques fortes, je les utilise pas souvent mais elles sont pratiques. T'as la lance, elle est quand même vachement stylée. Et encore je suis qu'au début du jeu donc je suis que level 6. C'est toujours utile, mais très amer. De ce que j'ai vu pour le moment, c'est le level max c'est 50. Donc je pense que le stuff aura le temps de d'un petit peu augmenter. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien chasser ? Au-delà de l'étreinte, ah. Ça ne peut pas être qu'une seule machine. Ouais. Ah, il y a un feu de camp là. Faire une petite sauvegarde rapide. Et ma manette qui dit qu'elle est faible. Petite sauvegarde rapide. Du coup. Donc ça. Encore un feu de camp. Aloy, tu es là. Oui, je suis là. Petite sauvegarde rapide, encore une fois, pour débloquer le feu de camp. Je suis là, parler à Rust. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? Il y a autre chose. Il y a autre chose qui te tracasse ? Ouais. Non, tout va bien. Après l'éclosion ? Tu t'inquiètes de ce qui va se passer après l'éclosion ? Je sais ce qui va se passer. Tu seras accepté comme membre de la tribu et je resterai un paria. Un invisible. Rost, même si la tribu m'accepte, je... Nous avons du travail, Aloy. Nous parlerons de ça plus tard. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que c'est ? Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. J'ai aidé Gratta la Fêlée. J'ai porté des lapins à Gratta la Fêlée. Elle a remercié la Toute-Mère, bien sûr. Parce que c'est la Toute-Mère qui lui a donné ses lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi, j'ai chassé seul. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seul. Ah là là, bien j'ai dit. J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme un peu plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Bon, je vais me reposer. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Voilà.
Ils ouvrent la porte à une paria? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Ouais. Triste est la vie. Tu parles de loi tribale? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que c'est que cette machine? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Ouais, attends, je fais le plein de cannes. Par contre, je vais recrafter un peu ça. Voilà, bim. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Waouh. Ok. Les dents de scie. En tout cas, ça rapporte ces bêtes-là. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Canne de rivage. Oh, un membre de la tribu qui est mort. Ah, il y a un veilleur. On y sera bientôt. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne l'attraquent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce ne sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudent. Bien dit. Par contre, ici, il y a plein de cannes, donc c'est intéressant. Oh là là, les cannes de rivage, ça y va. Bon, c'est pas grave. On n'a rien vu. Donc ça, c'est les racines. Oh, j'ai pas pu ramasser mes petites plantes. Pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie. Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Occupé de quoi? De la dent de scie. Je peux le vaincre. Ça, ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Pas de soucis. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Faiblesse feu. Donc voilà. On va en poser un ici. Et on va en poser un
ici. Ils y verront que du feu. On va prendre les petites cannes qui traînent. Il est où? Ah, il est là-bas au bout. Il a une bonbonne en dessous de lui. J'espère que t'aimes les flammes. Tiens. Oh, mon premier Dante. Mais c'est pas mal, dis donc. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Alors... La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Bah, je pense que c'est réussi. Non. Allez, viens. Non, j'avais des trucs à ramasser. Non. Oh. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces Dante, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire, après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Ah bon? Ça donne à réfléchir tout ce que t'as dit. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Bien sûr. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. Je peux venir avec toi? Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore à faire. Oh, c'est-à-dire? Je te retrouverai quand il sera temps. Tant de secrets. Je te retrouverai. Au cœur de la mer. C'est ça. À plus tard, Rost. Bon, bah, du coup, les amis, voilà ce qui clôt la quête, la petite quête principale. On a vaincu notre premier Dante. Il y a une petite plante que je vais prendre juste avant de qu'on se laisse. Une petite sauvegarde rapide. Et on va se laisser ici. Allez, salut les amis, à la prochaine.